Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour les Schtroumpfs 2, le prisonnier de la pierre verte, qui est sorti le 2 novembre 2023. Au niveau du développeur, on a Awesome Studio et au niveau de l'éditeur, Microïd. Et ouais encore, Microïd. Alors moi j'avais bien aimé le premier Schtroumpf et j'espère que le deuxième va être aussi bien que le premier parce que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Si tu l'as pas vu, je te mets un lien là-haut, là, si tu veux aller voir le Schtroumpf, la première version. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire? La taille installée sur ma micro SD fait environ 3,5 Go. Au niveau des langues, japonais, anglais, espagnol, français, allemand, italien, etc. etc. Il y a tout ce qu'il faut. Tu peux y jouer avec le Pro Controller et les Joy-Con, classe d'HP G7 et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc là je l'ai téléchargé, je l'ai pris. On va voir un peu ensemble ce que ça donne. Nouvelle partie. Voilà. Veux-tu créer une nouvelle sauvegarde? Évidemment, évidemment. Alors, histoire, épopée, une aventure poussée. Une difficulté pour profiter de l'histoire sans embûche. Challenge, ah ouais. Allez, épopée, c'est parti. Te voilà bien installé? Magnifique! Prépare-toi et ouvre grand tes schtroumpfs, l'amusement va commencer. Laissez-moi vous conter une nouvelle épopée. Celle de la verte pierre et de son étrange prisonnier. Mais avant tout, accueillons celui qui se profile à l'horizon. Notre héros, le Schtroumpf bricoleur et sa nouvelle invention. Pour préparer au village de superbes festivités, notre inventeur de génie a créé une machine à goûter. Grâce au Schtroumpfomix, cuisiner sera un jeu d'enfant. En un tour de Schtroumpf, voilà un gâteau impressionnant. Succulente sucrerie pour appétit exigeant, et même celui du Schtroumpf gourmand. Or, le Schtroumpfomix a besoin de retouches. Il n'en sort pas de gâteau, mais des amuse-bouches. Le Schtroumpf bricoleur se faufile dans le laboratoire. Et dans le dos du grand Schtroumpf, consulte son grimoire. À son problème, il trouve subitement une solution. Une pierre verte capable de toute création. Mais qu'à Schtroumpf, l'objet tant désiré s'est envolé. La verte pierre serait-elle chez le plus affreux des sorciers? À la dérobée, le Schtroumpf bricoleur et quelques amis voyage promptement vers la masure ennemie. Nos pauvres Schtroumpfs ignorent encore ce qui va se produire. Tenez-vous-le pour dit, le danger est à venir. Pas mal au niveau intro, ça met dans l'ambiance, ça te donne un peu le ton, ce qui va se passer et tout ça. Moi personnellement j'aime bien, côté dessin animé, enfin on va dire ça comme ça. Donc en mode diapo, pourquoi pas. Mais quelle idée de Schtroumpf est ici, je le dirai au grand Schtroumpf. Rien n'est obligé à nous espionner et surtout à nous suivre, Schtroumpf à lunettes. Oh, arrêtez de vous chamailler! Allez, vite, séparons-nous et Schtroumpfons la pierre verte. Oh, j'espère qu'on en trouvera plein, miam! Mais Schtroumpf est pas là! Eh, l'intro déjà, elle cartonne, hein. Quand tu vois la différence avec Inspecteur Gadget et ça, popopo. Ouais, ça a l'air d'être assez propre. Donc là, pour l'instant, c'est assez fluide. Ok. Donc avec le joystick de gauche, je peux diriger mon personnage. Avec le joystick de droite, je peux bouger la caméra comme je veux. Et ça, c'est vraiment bien. Donc c'est dit aussi dans le didacticiel. Avec B, je saute. A, pour l'instant, j'ai rien. Y, ça me permet de me déplacer un peu plus rapidement. X n'est pas assigné pour le moment. Ok. Donc là, j'ai un truc. Ok, là on peut voir sur X, mais pour l'instant je peux rien faire. Ok, donc là quand j'appuie sur ZL. Ok, ouais, c'est ZL, ouais. Ouais, non, ouais, je peux rien faire sur ZL. Ok, on verra après. Mais franchement, c'est très joli pour le début. Ok, je suis tombé dans un trou. Donc là il peut pas monter, d'accord. Petit problème de colliding là. Bon, c'est pas bien méchant.
Allez, on attaque l'histoire. Double saut déjà. C'est bien. Pour réaliser un double saut. Okay. En fait, j'ai pris de l'avance pour rien, parce que du coup, ils expliquent tout. C'est vraiment, vraiment beau. Hein. Verte à droite. À droite, il voit une mur en vert. Ouais. Je peux pas y aller. Ok. Petit mur invisible. J'allais là. J'allais là. Hop. Donc là, on le guide avec le double saut. Ah non, bah c'est une blague là. Non. Je sais pas qui c'est. On n'entendait pas. Il ne voulait pas. Mais on n'entendait pas. Oh non, c'est abusé. Après, j'utilise pas, peut-être pas le bon chemin. Hein. Ah, double saut pour y aller. Ok. Donc on y va. Et après, c'est Y. Je pose juste la question. Qui a invité le Schtroumpf Bêta? Ah oui, c'est vrai ça. Qui c'est qui m'a invité? Personne. C'est bien ça le problème. Truc, il a dû nous suivre en cachette, n'est-ce pas, Schtroumpf Bêta? En cachette? Ah non, j'ai pas pensé à trouver de cachette pour mettre les pommes vertes. Les décors sont très jolis. On est sur Switch, hein. C'est assez joli. Enfin, c'est même pas... C'est joli. Comparé à ce que j'ai déjà vu. Là, j'entends marcher depuis tout à l'heure. La maniabilité se fait bien. Hein. La prise en main, elle est bonne directement. Pas trop d'aliasing là par rapport à d'autres. On le voit bien au niveau du schtroumpf là. C'est pas mal. Un léger petit flou, mais c'est pas méchant. Bon, là, on le voit bien l'aliasing. Là, tu le vois bien. Mais c'est pas. La modélisation est bien faite au niveau du schtroumpf là, les mains et tout. Si on enlève le côté aliasing. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas trop de bugs. J'aime bien, j'aime bien. Ok, appuie sur L pour courir. Ah ouais. Attends. Ah. Ok. Peut en avoir besoin. Pas mal. Je suis comme vous, hein. Je découvre le jeu. Et là-bas, il y a un truc. Voilà, calme-toi. Tombe pas tout de suite. Du coup, j'ai la pierre verte qui est là. Ok. Bah franchement, je suis super impressionné. Et ça devrait suffire. Oh, mince, j'ai peut-être schtroumpfé un peu fort. Quand le grand schtroumpf sera au courant que vous êtes venu ici, je... Schtroumpf à lunettes, arrête d'être un bas schtroumpf. Eh, hey, regardez, j'ai trouvé une pomme. Mais elle est pas verte, ça ira. Les amis, je crois qu'il y a un problème. Ah, enfin de la lumière. Je ne trouve rien du tout pour chercher les pommes vertes. C'est quoi tout ce tintamarre en bas? Encore dira que tu n'as pas chassé, Azrael. Schtroumpf bricoleur, vite, il faut partir tout de suite. Ouais, regardez un feu d'artifice. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon vieux schtroumpf, c'était donc vous. Azrael, attrape-les. Salut toi, on est des schtroumpfs. Arrête tes bêtises, schtroumpf Bêta, viens. Imbécile, que t'avez-vous fait? Non, 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 reviens. Non, d'un schtroumpf, qu'est-ce que c'était? Oh, oh, malheur, c'est la fin. Les cinématiques sont super jolies à regarder, et en plus, gros point positif, on a la voix en français, plus les sous-titres, ça c'est super bien. Alors, est-ce que toutes les voix des schtroumpfs sont respectées? Ça j'en sais rien, je suis pas assez fan des schtroumpfs pour, mais en tout cas, c'est super bien. Misérable petite vermine bleue, vous n'avez aucune idée de même ce là, que vous venez de faire. Mais j'ai... Oh, désolé, c'est si grave que ça en a l'air? Bien sûr, j'utilisais cette pierre verte en alchimie et j'ai expérimenté des choses très surprenantes.
J'ai séparé la matière d'un objet et je l'ai recomposé juste après. J'ai même transformé une fleur en une sorte de flaque visqueuse inconnue. Mais à quoi bon partager mon précieux savoir avec une bande d'ignares ? Ah bah super, c'est rassurant tout ça. Attends, ça veut dire que tu savais que cette créature était à l'intérieur ? Mais non ! Pauvres imbéciles ! C'est bien pour ça que je présage le pire, si elle a les mêmes pouvoirs que la pierre. Ah, c'est dommage, elle a pas eu le temps de se schtroumpfer. Si l'on en croit les vieilles légendes, les créatures qui schtroumpfent d'objets magiques sont rarement amicales. Je suis d'accord avec Tempête, il faut demander l'avis du grand schtroumpf au plus vite. Oh non, non, imaginez le savon qu'il va me schtroumpfer s'il est au courant de tout ça. On va quand même pas livrer tous les schtroumpfs sur un plateau à Gargamel. Ça m'est bien égal pour une fois. La situation m'inquiète tellement que vous êtes le cadet de mes soucis. Si le grand schtroumpf était là, il nous schtroumpferait quoi faire? J'ai peut-être une idée pour réparer notre... Enfin, mon erreur. Nous pourrions nous allier. Nous allier? Ouais, super! On va tous devenir amis. Hors de question! Gargamel, tu es un grand alchimiste, non? Tu dois bien pouvoir schtroumpfer quelque chose pour t'occuper de cette créature. Pendant que moi, je mettrai tout mon savoir-faire à améliorer le schtroumpfomix. Quoi? Pourquoi vous me schtroumpfez tous comme ça? Vous avez une meilleure idée? Pas vraiment, non. Mais j'avoue que ça ne m'enchante guère. Si la créature a pu sortir de la pierre, alors elle peut re-rentrer dedans. Mais si elle aime pas être dedans, faudrait quand même lui demander. Pour le moment, il faut la retrouver et essayer d'avoir un premier contact amical avec elle. Elle s'est téléportée grâce à ce portail. Vous devriez pouvoir la suivre. Moi, je suis trop grand pour passer. T'as la trouille, oui? Tiens, prends-en de la graine. Ok. En tout cas, ouais, c'est quand même bien modélisé, hein. Donc utilise le portail pour aller à la forêt. Je dois aller au portail. Yep. Tac tac tac. En tout cas je suis super impressionné. Le prix sur Amazon il est à 37 balles de mémoire. Donc bah, si vous devez vous le procurer ou t'aimes bien les schtroumpfs, bah vas-y quoi. Franchement go hein. Merde, je fais de la merde. Je te parle et je fais de la merde. Alors je suis pas encore entré dans l'histoire mais ça m'a déjà conquis. Sachant la boost que j'ai eu sur Inspecteur Gadget, je reviens dessus. Hein. Là, je suis vachement étonné. J'avais bien aimé le 1 aussi. Donc c'est X. Ok, c'est parti. Là-bas, le village. Surtout pas un mot aux autres. Gargamel pourrait m'entendre. Allô, Tempête? Tu nous reçois? 5 sur Schtroumpf. Le blabla Schtroumpf est parfaitement opérationnel. Et le passage dans le portail, c'était comment? Schtroumpfant. Je vous rappelle si je vois quoi que ce soit d'étrange. Ah, la mise en situation, le contexte est bien. Qu'est-ce quand même. Que hein. C'est que c'est donc on est sur un jeu de plateforme. Là ça lagouille un petit peu parce qu'on a un peu plus de mâches. Ouais un petit peu plus de. Ouais, un petit peu plus de lagouille. On n'a pas les 30 FPS constants. Je pense que c'est une fois en mode switch, tu dois plus avoir le problème, t'es en 720p. En tout cas c'est super plaisant. Le foliage ça va, il est plutôt bien représenté. Pas trop de problèmes. En plus, il y a le, tiens, y a le contact. Il y a le contact avec les éléments là, tu vois. Quand tu pousses la fleur, tu vois, ça, elle bouge. Et ça, c'est plein de petits détails qu'on retrouve pas, par exemple, sur des Pokémon, des trucs comme ça. Et là, tu l'as, tu vois. Là, tu rentres dedans. Bon, là, petit problème de colliding. Mais là, tu l'as bien sur la fleur. Et ça, ça fait plaisir. C'est des petits détails, hein. Mais quand tu vois les boosts qu'on a sur Switch de moment, et quand ils veulent, les développeurs, ils peuvent. D'accord, on peut tirer sur les cristaux. Donc tu restes appuyé sur... voilà, impeccable. Ah, franchement, la modélisation est bien faite. Après avoir au niveau du level design, pour l'instant on est sur du plat. Petit champignon là. Okay. Ouais, ça bouge aussi sur les champignons. Franchement, je suis vachement impressionné. Donc là, on a vu un peu le clipping. Regarde, on voit le clipping. C'est-à-dire que les assets sont chargés juste au moment où j'arrive, regarde. Donc ça, c'est fait exprès. C'est pour éviter de trop consommer, mais là, tu le vois bien. Hein. Voilà, donc BBY hein, pour information, c'est ce que je viens de faire. Ah oui, là, il veut pas. Ah, dans le pitron. Ok. Ah merde, merde. Ah, je me fais mal tout seul.
Quelle idée de tomber là-dedans. Je regarde comment je récupère de la... de la vie. Ouais, là, c'est un peu con de tomber comme ça. Le son est pas mal aussi, hein. Ah, je devrais pouvoir me soigner avec cette fleur. Ah, c'était fait exprès. D'accord. Je me sens plus forte que jamais. Donc, je le redis, les voix françaises. Bah, pour l'instant, je suis archi bluffé. Pour 37 balles, ça vaut archi le coup, hein. Ah, s'il y a bien un jeu à prendre. Là, comment entre Sonic, Mario, là, les schtroumpfs. Pas à dire. Plus pour les enfants, c'est nickel. Hein, la prise en main, elle est énorme. Ça se joue super bien. Il y a le gros là-bas. Au niveau du sound design, on reste dans l'univers des schtroumpfs, dans ce qui est traditionnel, quoi. Des sortes de cristaux ont poussé un peu partout dans la forêt. Des cristaux? Comme ma pierre verte? Non, pas vraiment. Ils sont de la même couleur, mais beaucoup plus gros. Il y a aussi des sortes de flaques noires à leur base. Gargamel, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une fleur qui se schtroumpfe en flaques visqueuses, n'est-ce pas? Là, tu peux viser. Là, c'est pas très stable. Je sais pas pourquoi. Et ben, au travail, qu'est-ce que t'attends? Notre père. Donc, on peut tuer les gros. Au travail, si je veux d'abord. Ah, si je trouve, je l'ai. Ah, mais d'accord. Okay. Ça se nettoie tout seul. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un bug. Ouais, là, c'est. Attends. Petit problème de colliding là. Les pieds qui sont dans le bois. À moins que ça soit du bois super tendre. Pas grave non plus. Super, je peux passer. La pierre verte semble d'ennemis. Réagir à cette chose. Peut-être que je pourrais l'utiliser pour améliorer le Schtroumpfomix. Appuyez sur R pour absorber. Impeccable. En plus, t'es archi bien guidé dès le début. Le petit son dans les oreilles, il est sympa. Moi, j'ai mon casque là. C'est vraiment plaisir. Puis sur A pour mettre un coup de... Ouais, d'accord. Ah ouais. D'accord. Là, j'ai pas de problème pour viser. Là, c'est bizarre, ce petit problème. C'est un petit bug qui sera corrigé dans les autres versions. Là, j'ai envie de faire quelque chose. Un gros sp... Ah. D'accord. Bon, moi, je m'en tiens rien pour le moment, mais... Ok. Prêt à goûter à mes flèches ? D'accord. Oula ! On a peut-être un ennemi. Ah ouais, c'est un ennemi. On va voir notre premier ennemi. Alors on va voir un peu ce que ça donne au niveau IA et tout ça. Je sais pas qui tu es, mais tu m'as l'air dangereux. Voyons voir ce que t'as dans le ventre. Ouais, c'est simple. Simple, mais c'est le début. Elle est motivée, hein, la petite, alors, ça me pète. On pousse des cœurs partout. Donc, du coup, il est archi pas punitif le jeu. Bon, après, j'ai pris en épopée là. Mais c'est pas un petit rebond là. Bah, évidemment. Là, elle nous fait quoi, elle? Ah, on peut pas l'avoir de face. Tout à l'heure, j'avais réussi à l'avoir de face, mais là, je peux plus l'avoir. Comme ça. Bah, je m'éclate bien moi, hein, franchement. Hein. Ah zut, il a porté ça. Appuyer sur ZL. Ouais, moi ça buguait. Voilà. Ouais, la visée est pas ouf. Ouais, la visée. Petit problème sur la visée là. Enfin, moi de mon côté, ça sera peut-être corrigé, je sais pas, mais là dans ma version à moi,
C'est bugué. Là, tu vois bien, ça tremble et... C'est pas moi. Bon, pas de timer, rien. Niveau HUD, c'est bon. Là, tu peux voir, t'as les quêtes. Pas mal de panneaux d'aide. Ça, c'est appréciable. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas ma manette. Non. On va faire 100, hein, c'est pas grave. Un petit stutter là, on a vu, hop, quand on passait d'une zone à l'autre. C'est pas mal là, un petit peu de caméra aussi. Oh, une nouvelle fleur. Oula, nouvelle fleur. Alors, ouais, alors là, je vais essayer, mais... Comme j'ai du mal à viser... Ah, je sais pas ce qui... C'est pas ma manette, hein, je vous rassure. Je vais mettre 2 ans à... Ok. Dis-moi dans les commentaires si t'as le même problème que moi au niveau de la visée. Et voilà, amélioration pour la pierre verte débloquée. Oh. Appuyez sur moi pour voir le menu. Ok. Amélioration. Appuyez sur A. Statistiques. Les statistiques et pierre verte. Ok. L'essence du néant. Pour débloquer les améliorations statistiques que tu as besoin de pierre verte, tu peux en récupérer en combattant les ennemis ou en détruisant les cristallisations. D'accord. Donc là, on en a 1500. Ok, utilise pour venir sélectionner l'amélioration de dégâts. Ok. On appuie. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera 2500. Ok. En augmentant 2 niveaux, tu peux débloquer des pouvoirs qui ajoutent de nouvelles manières de jouer. Ah, excellent. Les pouvoirs peuvent être débloqués avec des pierres. Tu peux en trouver cachées lors des aventures. Enfin, non, des gemmes. Des gemmes. J'ai rien dit. Puis sur 1 pour nous en mieux. Ok. Allez, allez, on s'accroche. Bye bye. Là, ça veut pas. Grave. On va les avoir comme ça. Mieux encore. Attention, on m'attaque. Ah oui, là, il y a une grosse fleur. Hein, effectivement. Ok. C'est fait. Ça se passe, on s'en prend pas les dents. Continue ton exploration. Ok, bah écoute, on a réussi. Je me sens plus forte que jamais. Le chemin est ouvert. C'est fait. C'est vraiment, vraiment joli. À voir et tout là. On n'oublie pas qu'on est sur Switch, hein, je le rappelle. On n'est pas sur PS5 et tout ça. Hein. Alors oui, il y a de l'aliasing, mais moins méchant que sur d'autres versions. Hein. C'est bon. Il y avait un monstre. Hop, j'ai même pas perdu de vie là. Et les niveaux sont assez longs, ça c'est intéressant aussi. Amélioration possible. Donc du coup si j'appuie sur moi. Hop, qu'est-ce que j'ai? Augmente les dégâts de tir là, ok. 1500, là j'ai quoi? Cadence de tir, ok. Et corps à corps, augmente les dégâts du pouce-poum, ok. Maintenant on va augmenter celle-là. Voilà. Ça c'est bien aussi, petite indication, comme ça ça te laisse pas dans le...
ça va servir pour un autre boss après. Hein. Bah, du coup, j'y arrive mieux comme ça qu'avec la visée. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai à voir par là? Ouais, ok. Ouais, il y a un avisé là. Si, là, peut-être. Ouais, non. Je crois pas. Là, il y a un truc par là. Ok. On continue. Ah, ça, c'est un jeu qui convient à tout le monde. Hein. Au plus grand comme au plus petit. Y a pas de problème là-dessus. Et c'est clairement dans la lignée du premier. Hein. Ils ont compris, hop. Ça là-dessus. Y'a rien à leur dire. Là-bas, y a un champignon. Y a des cœurs. Oh là là. Ouais. En train de me coincer sur la caméra là, pas ouf. Voilà. Pas trop perdu de vie. J'étais coincé de toute façon, j'avais pas le choix, j'ai trop reculé. Ah, là-bas il y a un truc. Mais j'entends quelque chose là. J'entends quelque chose. Hop, on continue. On nettoie. Ça fait toujours plaisir. Voilà, la prise en main, elle est vraiment exceptionnelle. Du coup, là, je vois pas trop. J'ai un truc. Et je dois aller où? Est-ce que je dois... Ah oui, c'est pour aller là-bas. D'accord. J'ai des rien à prendre là-bas de mémoire. Donc on va aller directement ici. Mais j'entends quelque chose voler, c'est pas possible. Oh, ça me trigger ça. Oula. Le premier niveau pour la découverte, il est vraiment exceptionnel. Je reconnais ce chemin. Le moulin du Schtroumpf Meunier est tout près. Ah. Mais du coup, ouais, il est tout près, mais pas pour nous, quoi. Oula, attends, il se passe quoi là? Ah oui, d'accord. J'ai fait une flèche là, mais dans le vent la flèche. J'ai fait que de la merde. Allez, ça c'est fait. Ah, faut les pas tomber dans l'eau évidemment. Ouais, donc coup c'est archi pas punitif. Ok, là-bas. Là, faut passer dans le tronc. Ok. Au moins on a pu voir que c'était pas punitif. Hein. J'ai perdu un petit peu de vie d'ailleurs. Ça devait être avec les méchants de tout à l'heure. Baisse de framerate là. Mais ça se joue super bien, hein. Franchement, je kiffe. Bon là, les textures SD là, ah, là on le voit bien, tout pourri. C'est dommage. Je sais pas si je vais pouvoir les avoir. Ah, 1340, on va pouvoir débloquer peut-être une autre amélioration.
Allô ? Je suis au moulin du Schtroumpf meunier, les amis. J'espère que mon Schtroumpf au pain n'a pas été détruit. C'est une machine de mon invention qui transforme la farine en délicieux petit pain. Mais là, il y en a trop, là. Je peux utiliser mon arc. Ah ouais, bah petit jeu. Ouais, bah, on va pas peut-être que j'apprenne à l'utiliser, l'arc d'ailleurs. Ok, ça c'est fait. Oula, un big boss encore. C'est ça que j'entendais depuis tout à l'heure. Ouf. Je peux pas l'utiliser l'arc. Ah, c'est vraiment dommage. Attends, il est où le machin là? Ah oui. Ok, super. Ah, la musique qui change aussi là. Infliger les gars, ouais. Ok. C'est pas mal. Ils sont combien là? Le petit son là. Oh, vas-y, toujours plus. Mais bien sûr. Et puis il y en a derrière aussi. J'ai pris une rafale par derrière là. Oh, j'ai vu quelque chose. Voilà. Il y en a qui se cachent là derrière. Voilà. Ça c'est fait. Je suis prête à en découdre. Oh, vas-y. Ouh, j'ai pris ta roue. Attention, on m'attaque. Ouais, c'est bon, j'avais vu. Hein. Bon, la caméra là. Oh oh. Ouais, c'est bon, attends, on va y arriver. Non, là, on va pas y arriver là. Ah, on perd la gueule. C'est gratuit. Fais-toi plaisir. La musique elle est vraiment épique là. Ok. Bon, faut que je regarde cette histoire d'arc à flèche là parce que. Je l'ai là. Et du coup, à utiliser, c'est un peu la merde. Et le temps de rechargement, il est de combien? Ah, il est archi long pour l'instant. Ok, donc là, il y en a là-haut. Ouais, par contre, la visée là, pas ouf. Ah non, elle m'a visé, c'est mort. Hein. Dommage. Allez, du balai. Ah, c'est du balai de partout en fait, hein. On fait du nettoyage, du grand nettoyage. Voilà, il y en a encore là. Continue ton exploration. Ok, on continue. On peut pas rentrer dans le moulin. Oh, c'est dommage, on peut pas rentrer dedans. Non, on peut pas. Et là, c'est bien modélisé, là, ça va. Ok. En tout cas, ça se joue trop, trop bien. Ah, là-bas. Ok. Là, il n'y en a plus. Amélioration pour la capacité de signature débloquée. Oula! Appuie sur moi pour ouvrir le menu. Ok, appuie sur R pour accéder. Ok. D'accord. Ah ouais, d'accord. Les effets amélioration te permettent de renforcer l'efficacité de ta capacité de signature. Effets spéciaux, nombre d'utilisations, etc. Ok, les gemmes néants. Comme pierre verte, les améliorations. Ah ok, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment excellent. La boucle est bouclée. Une nouvelle amélioration de statistique te permet d'augmenter ton gain de jeu et de ta capacité de signature. D'accord. Ah bah c'est vraiment énorme. Ah ouais, c'est vraiment complet. Hein. Du coup là, quête, bon ça c'est bon.
1900. Sans froid. Car quoi? Tempête dispose de deux flèches d'ouragan. Ah ouais. Sans froid. Utilisation de la flèche d'ouragan déclenche un ralenti. Ouais. Là, je peux pas encore. Parce que j'en ai que 10. Et là, on a quoi? Donc là, on peut lui changer ses vêtements si on veut. Ok. Ça va, d'accord. Ah, c'est un petit délire ce jeu, hein. Ah là j'ai R, pourquoi R? Non je vois pas. Ah là R, effectivement. Faut nettoyer. Non il y a R là. Non, c'est moi qui... Ah non, d'accord. Ouais. Dans la poche. A tout pompé là. Utilise le portail. Ah ouais. On est arrivé dans un nouveau truc. On peut encore y aller. Et là on peut y aller. Ah zut, oh non. Oh, je suis tombé. Bon, on va se laisser là. Du coup, ce que j'ai à dire sur ce jeu, c'est que c'est vraiment exceptionnel. J'adore. Il est vraiment très très bon ce petit jeu. Rien à dire, pour 37€, je suis méga impressionné. Par rapport à Inspecteur Gadget, où j'ai vraiment pas aimé du tout le jeu. Vraiment nul. Là, on a les voix, les textes en français. Le scénario, il est super bien. La maniabilité, elle est bonne. Moi, j'ai un petit bug, mais est-ce que c'est chez moi ou pas? Tu me diras ça dans les commentaires. Au niveau des graphismes, ça le fait. Un petit peu d'aliasing. Mais c'est pas non plus méchant hein, par rapport à d'autres jeux que j'ai pu faire. Comme Jumanji par exemple. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je suis super... Je suis agréablement surpris. Et là, j'ai pas vu les minutes tourner en jouant à un jeu là, surtout pour le premier niveau. Donc, je suis vachement épaté. Pour 37€, moi, personnellement, je vous le conseille. Si vous avez un jeu à prendre, bah, prenez-le. Faites-vous plaisir. Si t'aimes les schtroumpfs, bah, prends-le aussi. Si t'aimes les jeux de plateforme, prends-le. Franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux y aller les yeux fermés, il est aussi bien que le 1. Y a, là-dessus, tu peux y aller. J'ai rien d'autre à dire. Je te dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut!